C'est ici, au cœur du Desolation Sound, que nous avons souhaité une nouvelle fois transformer Chamade en résidence d'artiste, avec ce projet un peu fou d'amener l'opéra au cœur de la nature sauvage. Un défi relevé avec enthousiasme par Magda et David. Magda est soprano, David est ténor, ils sont polonais, ils habitent Varsovie, mais c'est à Lausanne que nous les avions rencontrés alors qu'ils chantaient dans les rues de la ville. Une année plus tard, Magda et David nous ont rejoints ici, à 200 km au nord de Vancouver. Moi, j'ai jamais vu la nature comme ça, sans l'être humain. La nature comme ça, la nature pure, c'est la première fois dans ma vie que je vis quelque chose comme ça. On a accepté l'invitation de venir ici pour essayer aussi d'apporter l'opéra dans d'autres endroits. Si on l'avait fait en Europe, ça aurait été complètement différent. On entend bien les oiseaux, là. Oui, on entend vraiment bien les oiseaux. Quand tu chantes, Magda, tu as l'impression d'être un oiseau? Dans le monde d'opéra, il y a toujours cette comparaison et, entre la voix des sopranos et les oiseaux. En effet, il y a plusieurs airs d'opéra qui imitent le chant des oiseaux. Il y a l'air de Olympia, par exemple, le conte d'Hoffmann de Jacques Offenbach, les oiseaux. Et c'est comment? Les oiseaux sont la famille. Quelque chose comme ça. Je ne suis pas colorateur, mais c'est quelque chose comme ça. Ça me fait penser à Luis Mariano. Au signal, au signal de mes amours. On s'est rencontrés au travail. Le monde d'opéra, c'est assez petit, donc on se connaissait depuis quelques années. Mais c'était en Italie. Et vous avez beaucoup chanté ensemble sur scène? Oui, depuis on est ensemble. On dit
75% de production qu'on fait, on fait ensemble. Les metteurs en scène, ils cherchent des couples comme vous, déjà constitués pour faire un casting? Certains oui, certains non, ça dépend. En général, que ce soit metteur en scène, que ce soit des directeurs d'opéra, aiment travailler avec nous. Si on met par exemple une soprano dramatique avec un ténor lyrique léger ou vice-versa, il y en a un qui peut manger l'autre. C'est dommage puisque des fois le mariage ne serait pas bon au niveau vocal. Oui. Et on a de la chance, on l'a pas fait exprès, hein, qu'on a nos voix s'accordent vraiment très bien. Ouais. Donc en plus du mariage d'amour, on a le mariage de la musique. Ça, c'est quand même formidable. La voile, c'est une expérience pour moi complètement nouvelle. Et là, on sent vraiment la puissance de la nature. Et moi, je me sens en petite poussière dans l'univers. Ça me donne vraiment un peu peur, un peu... Oui, un peu peur. Il y en a qui vient de mourir. Oui, il aime pas. Non, ça me plaît pas. Oh, c'est trop super ça. C'est incroyable l'écho, franchement, c'est impressionnant. Je suis en train de faire des vocalises pour un petit peu chauffer les cordes vocales. C'est un travail quotidien. Si on chante beaucoup, on va dire quasiment tous les jours, si on a des performances tous les jours, on chante moins puisque la voix est déjà, on va dire, plus ou moins chauffée. Là, ça fait maintenant quand même 10 ans que tu chantes. Ta voix, elle a changé? Moi, ça fait à peu près 10 ans que je chante professionnellement. Ma voix, elle a changé, puisqu'après la mutation, j'étais plus, on va dire, en baryton. Moi, ma voix donc, a changé et monté vers un répertoire de ténor. Donc maintenant, actuellement, je suis un ténor lirico spinto, un peu comme Placido Domingo, qui est aussi baryton avant, qui a fait une carrière de ténor et qui est de nouveau baryton. Donc et des fois, oui, la voix peut changer et il faut jamais aller contre nature. Funicula, 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 fun
mala, funiculi, funicula. Hi. Hello. I'm Brad. I'm Magda. Nice to meet you. Sir, your name is? Magda. Marga? Okay. Magda. Yeah. And David. Magdalena. David? Yeah. David. Hi. Hi, nice to meet you. So, once we get started, I'll go into the carving shed with you guys and just kind of explain to you what I do. It's not so much for money and stuff, it's to keep the family heritage going. That's my main focus. I'll give you some more natural light. You could go right in. Yeah, thanks. We actually started this about 3 years ago, maybe a little bit longer than 3 years ago. 70% of the pole is hand carved. So the neat thing about this, it's better than sandpaper. You get almost kind of like a fine wax finish with it. So this is your very finish. Oh. So yeah. You have different blades for different things. Okay. So you could try that one on this outer edge part. Here? Yeah. Oops. There you go. It's not easy at all. David, you want to try? Yeah. So nice. Oh, professional. This pole here that was in the graveyard, the top figure is an eagle and the double-headed sea serpent. We're going to place this in the museum and we're going to do a replica of it and put the new one outside in the graveyard for the family. On pense ça nous inspire d'interpréter le duo de la Barcarolle des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Avec de Laurent, voilà, le rythme de cette duo, c'est juste... Bon, bon. D'interpréter la Barcarolle. Belle nuit, en nuit, dans vos souris, à nos ivresses, nuit plus douce que le jour, belle nuit d'amour. Et ton fruit sans retour emporte notre laisse, loin de cette quelqu'un qui nous a beaucoup touché parce que il nous a parlé de son histoire, de sa famille, de sa culture. Moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment passionnant. On va au-delà, on va dire, du musée, c'est-à-dire qu'on est dans l'origine de l'histoire de quelqu'un. Et puis, c'est des histoires de ses ancêtres qui sont. C'était il n'y a pas très longtemps. On aime aussi quand les gens viennent, ils disent. Vous savez, j'étais pas fan d'opéra, mais ce que vous faites, ça me donne l'envie d'aller au théâtre. Oui. Et ça nous fait vraiment beaucoup plaisir, ça. Bravo! C'est impressionnant le nombre de vers. On en voit partout, sur les arbres, sur le sol, sur les branches. C'est une forêt incroyable. Ouais. Et en plus, il y a cette odeur, comme tu disais, de... Pain d'épices. Pain d'épices, oui. On dirait un petit peu un papier peint, là, dans les années 90-2000, c'était la mode, les grands papiers peints, comme ça, avec la nature en fond. Dans le théâtre, le décor de théâtre, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, dans le XXe siècle, il y a de plus en plus la décoration virtuelle faite par le graphiste.
mais on aime bien la mode à l'ancien théâtre où il y a des décors énormes qui ont aussi cette parfum de bois. Ouais. Et des fois, les décors sont difficiles à jouer parce que des fois, on est obligé de monter parce qu'il y a plusieurs étages. La public voit juste, par exemple, la fenêtre ou un petit balcon. Mm-hmm. Et nous, on a par exemple 4 bars de la musique où il faut tout de suite monter là-bas et apparaître parce que sinon... et pas s'appuyer trop sur le balcon parce que voilà. C'est comme c'est léger en bois, si on s'appuie trop, on pourra passer par-dessus. Aujourd'hui, on a beaucoup plus un rôle d'acteur que dans le temps. Dans le temps, c'était le rôle du chanteur en lui-même. Et après, le rôle d'acteur était quand même beaucoup, beaucoup moins important. Mais aujourd'hui, on a un rôle d'acteur, des fois on peut dire un peu limite de cascadeur sur certaines mises en scène qui sont vraiment, on va dire, on doit être aussi en forme physique. Et là, on est complètement dans un rôle d'acteur. Là, le rôle de chanteur, on va dire, dans ce moment-là, il n'existe plus. Là, on voit bien le passage de l'ours. À qui trace. Et finalement, c'est à la fois pratique pour entrer comme ça dans la forêt, puis en même temps, faut quand même rester prudent. Chut, chut. C'est un oiseau. Non, pas le tr, pas le tr. Eh bien, là maintenant, non, il y a le. Non, on l'entend plus. Oui, mais c'est un oiseau. Pas le trrr. Il y avait un. Je sais pas ce que ça pouvait être. Là, on entend. Ça fait peur. Et ça, c'est un peu le. C'est tout le paradoxe de l'ours, c'est qu'on a envie de le voir. Oui. Puis en même temps, on faudrait le voir de loin, mais si tu veux rester le voir de loin, c'est en tout cas pas dans la forêt que tu vas le voir. C'est lui qui va te voir. C'est lui qui va te voir bien avant, qui va te sentir. Donc en général, il faut plutôt faire du bruit. Et ici, dans un coin comme ça, on n'a pas intérêt à avoir une rencontre avec un ours. Par contre, sur une clairière et autres, beaucoup plus. Donc ici, on a meilleur temps de faire savoir qu'on est là. D'accord. Voilà. Ouais. Donc là, il nous entend. S'il y en a un, il nous entend. Et en général, il s'en va parce qu'ils n'aiment pas la rencontre. Mm. Par contre, on a plus de chance sur la prairie qui est au bord de l'eau, qu'on ira voir aussi. Comme ça. Observé. Il a vu qu'on est pacifique et il a continué. Non, c'est vraiment super. J'y crois pas que je les vois. Bah, il est là, il est juste à côté de nous. Au revoir. Il nous regarde. Andiam, 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 mio bene, a ristorar le pene d'un innocente amor. Andiam, andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente amor. Il n'aime pas Mozart. En plus, on lui dit andiam, andiam, allons, allons. Andiam, allons. Mais peut-être qu'il a cru qu'il y a long, donc il y va, quoi. Il y en a un autre, là. Oui. Oh, c'est un autre. Bah, il s'en fout. Vous aimez pas le Mozart? Là, je suis en train de préparer, comme on dit un petit peu chez nous dans le monde de l'opéra, c'est une boisson au gingembre. Ça permet un petit peu, si on a un petit coup de fatigue, ou si on a beaucoup chanté, ou si on a un mal à la gorge. On achète du gingembre frais, on l'épluche, là après je vais les râper et je rajoute aussi du miel qui permet donc de rechauffer la voix, de,
d'éliminer certaines bactéries, de redonner un petit, redonner de la vitamine. Voilà, c'est notre petit remède naturel. Et là, je travaille la Traviata. Au début, on chante pas avec la voix pour pas la forcer. Mais juste on dit le texte en rythme précis et après on cherche les notes, on déchiffre la ligne mélodique et c'est ça la première étape de apprentissage de chaque rôle. Retour à la civilisation. C'est impressionnant, je ne pensais pas que Vancouver avait autant de gratte-ciel. Mais c'est vraiment magnifique, on a une entrée dans la ville, c'est vraiment extraordinaire. Entre les canards qui volent, les titres avions qui reviennent, les grands bateaux de transport qui repartent et qui reviennent, non, c'est vraiment extraordinaire, c'est superbe. C'est un peu bizarre parce que j'y suis déjà habituée à le paysage sans être humain, sans bâtiment, sans bateau. Et là, tout de suite, je me réveille, on est au milieu de la ville, la grande ville. Donc c'est un peu choquant. Oui, on est dans un autre monde. Mais c'est vraiment très chouette. On se réjouit de chanter ici, voir un petit peu la réaction des gens. Donc je pense que ce sera assez intéressant, ce sera une nouvelle expérience. Voilà, c'est pas terrible, hein. Il pleut. Mais bon, ça va aller. Ça va le faire, ça va être bien. Voilà, la météo, on peut pas tout le temps la contrôler, donc on fait avec. Ouais. Fuggevano ora si levi a voluto.